Salut à tous, ici Babouliné pour le premier épisode donc de mon nouveau Let's Play. Comme je vous l'avais annoncé, il s'agira de la version PC de Psychonauts. Donc c'est un jeu qui mêle divers éléments de plateforme, de puzzle et de réflexion surtout, mais principalement plateforme. Donc c'est un jeu sorti en 2004 sur PC, PS2 et Xbox. Donc évidemment je vais vous faire la version PC comme je vous l'ai dit. Et il s'agira en fait de la deuxième version du DLC, parce que je n'étais pas satisfait des premiers épisodes de la première. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et on trouve quand même qu'il saute vachement haut le bestiau. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est pas excessivement long, qui peut se finir en une bonne quinzaine d'heures à fond. Donc faut pas s'attendre à un let's play qui fasse 50 épisodes, surtout en plus c'est maintenant que je ferai des épisodes plus longs, ça devrait être relativement rapide. A noter également que pendant les cinématiques du jeu, vous ne m'entendrez pas faire de voix, puisque les personnages de ce jeu disposent tous d'une voix, et vous verrez bien ça, puis je trouve que les voix correspondent bien, donc vous m'entendrez pas peu pendant ces cinématiques. Et donc on va commencer dès maintenant par se créer une nouvelle partie pour rentrer dans cet univers qui est celui de Psychonauts. C'est parti. Et je vous laisse donc profiter de la cinématique d'introduction. L'esprit humain. 1000 km de fibres synaptiques. 16 centilitres de liquide crânien. 1500 grammes de matière neuronale. 1,5 kg de rêve. Mais je vais vous dire ce que c'est vraiment. C'est le champ de bataille suprême. Et aussi, l'arme suprême. Les guerres de l'époque moderne, l'époque psychique, se déroulent toutes quelque part parmi ces humides et fragiles ondulations. À compter de ce jour, vous êtes tous des soldats de l'esprit, des parachutistes du paranormal, des marines mentaux prêts à s'embarquer pour l'aventure de leur vie. Ça, c'est notre objectif! Et ça, c'est votre artillerie. Vous attaquerez l'ennemi sur le terrain du mental. Vous chasserez ses rêves. Vous combattrez ses démons. Vous vivrez ses cauchemars. Ceux d'entre vous qui sauront se battre se retrouveront sur le chemin qui fera d'eux des agents secrets internationaux. Ils deviendront des psychonautes. Et les autres... mourant. Oh, mort. Les enfants, vous n'allez pas mourir. Eh bien, si on n'est pas psychonaute, il ne sert à rien de vivre. On m'a dit que ce n'était qu'une colo. Dogen, ne t'en fais pas pour le coach Oléander. Je viens depuis des années. Et crois-moi, il ne se passe jamais rien. Ouais, Dogen, écoute Lily. Tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit. À part pour le monstre géant qui vit dans le lac dont je t'ai parlé. Bobby Zilch, je t'ai dit d'arrêter de faire peur à tout le monde avec cette vieille légende. Je ne veux pas que les enfants aient peur de se promener la nuit sur les chemins parfaitement sûrs de la colonie de vacances psychique du Roc qui murmure. Et nous ne voulons pas effrayer nos invités, les psychonautes de choc Sasha Nine et Mila Vodello. Wow! C'est le monstre! Information. Oh, ça résiste! Vite, attirons-le ici! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un petit garçon. Qui es-tu, trésor? Je vais le savoir. Impossible! Ah! Mon nom? Commence par un D. Des Rasputin. Oh, oh. Mais tout le monde m'appelle Raz. Ne nous tue pas, monstre du lac. Fascinant. Blindé comme un char. Désolé du retard. Je ne veux pas perturber ce briefing, agent Oléander. Agent Nine, Vodello. Allez-y, continuez.
Où crois-tu aller comme ça? Tu as pénétré dans un site de formation gouvernementale hautement classifié. Je sais. Génial, non? Écoutez, si je m'asseyais ici bien sagement avec les autres cadepsies. Salut, ça va? Cool ton chapeau. Il faut expulser ce jeune garçon d'ici immédiatement. J'appelle ses parents. Quoi? Mais vous n'entraînez pas des psychonautes? Si, trésor, mais... À s'élever dans le plan astral. À faire la guerre psychique aux ennemis de la libre pensée. C'est le texte que j'ai écrit sur la couverture de la brochure? C'est pour ça que je suis là, Coach Oleander. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit à l'intérieur de cette brochure? Vous êtes né avec un vrai don. Mais aux yeux de votre entourage, c'est une malédiction. Votre mère a peur de vous. Et votre père vous regarde avec les yeux pleins de honte. Venez à la colonie du roc qui murmure, et alors tout changera. Chez vous, vos pouvoirs font de vous un paria, un exclu, un isolé. Mais dans ce dojo de l'esprit, vous deviendrez un héros. Donnez un lit à ce soldat. Bon, trésor, tu peux rester en attendant que tes parents viennent te chercher, mais tu ne peux participer à aucun entraînement paranormal sans l'accord de tes parents. Désolé. Waouh, t'en as de la chance. Tu seras bientôt chez toi. Non. Chez moi, je suis traité comme toi, Dogen. Rejeté par ma propre famille pour des pouvoirs que je n'ai jamais demandés. Ici, j'ai une chance de devenir quelqu'un, de prouver ma valeur. En venant me chercher, Dogen, ils compteront retrouver Raz, l'enfant. Mais ce qui les attendra, à leur grande surprise, c'est Raz, le psychonaute. Et tu leur feras sauter la tête? Non. Tu fais ça, toi? Non. Enfin, si, une fois. Mais maintenant, j'ai ce chapeau spécial. Tu veux l'essayer? Non. Mais il a des défenses mentales jamais vues chez un sujet aussi jeune. Si je pouvais mener quelques expériences dans mon labo, je suis sûr qu'il supporterait bien plus que les autres. Ce gosse est exceptionnel, Nine. Mais je ne vous laisserai pas transformer ce gamin en sujet d'expérience. J'ai de grands projets pour lui. Et voilà. Donc, voici donc la cinématique d'intro de ce jeu. Donc, comme vous pouvez voir, un univers assez... Je crois que le mot le plus juste est complètement barré. Allez, on va donc se créer un nouveau profil. Étant donné que mes noms habituels, genre Babou et les trucs sont refaits, on va prendre mon vrai nom de la vraie vie IRL, qui sera Fred. Allez, c'est parti. Très bien, du calme ici. Demain, c'est le grand jour. Je veux voir toute votre bande d'avortons dans ma classe à 6 heures pétantes. Est-ce que c'est clair? Je suis l'hirondelle et vous les vers de terre, compris? Maintenant, on dort! Voilà, donc avançant, on va avoir un petit... Alors c'est une sorte de petit calibrage de la vue. Donc il se fait par les commandes par défaut. Le problème c'est que vous ne pouvez configurer vos commandes qu'une fois que vous prenez le contrôle de votre personnage après ça. Donc il y aura une légère, coupure le temps que je configure mes commandes, hein, parce que vous n'allez pas, pas me regarder... C'est un marqueur. Et accessoirement, ça vous présente quelques éléments. L'équipe en met dans tout le camp pour tester les élèves. Chaque marqueur trouvé te fait progresser d'un rang. Parce qu'en fait, il y a un système de niveau, de 1 à 100. Attends, regarde en haut, tu veux. Alors, hop, on regarde là-haut. Voilà, ça, c'est les manières d'obtenir des niveaux, enfin, de gagner des niveaux d'expérience hors des niveaux du jeu, hors des différents esprits. Il faut bien qu'on puisse atteindre le niveau 100. Pour faire un nouveau marqueur de défi. Mais tu devras acheter un noyau psy au magasin pour les relier ensemble. Continue à grimper et bien vite, tu pourras employer... Et quand est-ce que je deviendrai un psychonaute? Parce qu'il faut que je le sois avant que mon père vienne me chercher.
Hey, où il est passé ? Voilà, donc ça c'est la petite configuration. Enfin, pas vraiment une configuration, mais c'est surtout pour vous montrer. Alors, on va le faire au clavier. Et après ça, donc il y aura une petite cinématique et voilà, cinématique de début qui va nous mettre dans la peau de notre personnage. RH, dépêche-toi, tu ne voudrais pas être en retard pour la formation de base. Wouhouhou ! La formation de base est le meilleur des cours. Wouhouhou ! Donc voilà, on gagne le contrôle de notre personnage. Et donc je vais couper une toute petite minute, le temps de configurer mes commandes, parce que faire ça à l'écran, ça vous bottera pas je pense. A tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Donc voilà, les commandes sont configurées, on va pouvoir jouer comme il faut. Donc, on doit tout ça... Ah, non, ça je veux pas. Donc en gros, on doit simplement maintenant se rendre dans le premier niveau qui sera la formation de base. On va en profiter pour faire un petit tour du camp, donc voilà. Donc on en profite pour trouver la monnaie du jeu, donc qui sont les pointes de flèche de Psitanium, qui sont l'équivalent des PO, des trucs comme ça. Donc on a vu les cartes Psy qu'on a eu dans le tutoriel tout à l'heure. On va chercher 2-3 trucs très rapidement. On va dire 5 pointes de flèche et 2-3 cartes, histoire d'être rapide. On en trouve une par exemple dans les chiottes, on en a eu une derrière la cabane juste ici. On en voit une par exemple sur ce toit. Alors est-ce que je vais pouvoir l'atteindre normalement? Oui. Voilà, je veux cette couverture de... Hop, voilà. Donc on peut également marcher sur les cordes. On va en profiter pour chercher 2-3 autres trucs. Donc une nouvelle carte ici. Hop, on a 4 pointes de flèche. Une cinquième ici. Voilà, c'est parfait. L'objectif va être rempli. C'est pas compliqué, pour déterrer les pointes de flèche, vous avancez devant et vous spammez votre touche utilisée. Donc moi, comme je suis sur M2360, j'ai mis ça sur Y. Voilà. Donc j'ai mes trucs. Et maintenant, je crois qu'on va pas s'embêter, on va aller voir le coach, donc c'est pas compliqué, il suffit de grimper, de suivre cette petite zone, il va y avoir un petit léger lag. Je viens de voir le compteur de FPS qui va passer de 60 à 40, bon, 8 ans, c'est pas bien méchant, voilà. On arrive par ici, et petite scène. Hé, hey, où est-ce que tu vas, Malouf ? Chut, je sèche ! Ce cours est un piège mortel pour cingler ! Écoute, le coach est fort ! Au début du cours, il te met dans son esprit ! Et puis, tu ne peux plus rien faire. Mais à l'intérieur, tu peux utiliser ces selles pour te tirer. Prends les miens, je n'en ai plus besoin. Je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Trop tard ! Bobby ! Ah ! Hey petit, tu me dois 5 pointes de flèche pour ta protection de la semaine. Allonge ! Malouf ! Ou bien c'est lui qui va t'allonger ? Hey, laissez-le tranquille. J'ai entendu dire que t'avais été élevé dans un cirque. Alors, je vais te le dire avec des mots que tu peux comprendre. C'est moi, le costaud du coin. Vraiment? Parce que tu ressembles plus à une barbe à papa. Apply cold water to burn area. Marque sur ma liste qu'il faut que je le tue. Viens, on le verra en cours. Ouais. On réglera ça sur le champ de bataille. Baston. Voilà. Et donc, on vient d'obtenir les selles, donc les objets qui nous permettent de quitter un niveau, mais on ne devrait pas en avoir des masses besoin, en tout cas, dans les premiers épisodes. Allez, allons parler au coach pour commencer notre formation. Coach Oleander, je viens pour la formation de base. Petit, tu te rends compte que pour suivre ce cours, tu vas entrer dans mon esprit et que tu vas devoir revivre chaque souvenir douloureux de chaque bataille que j'ai menée. Ça va être moche. Alors, est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir courir un peu au soleil avant, hein? Je suis prêt, chef. Alors, dans ce cas... Tu es en retard, soldat! Entre là-dedans et fais-moi 20 pompes! Et donc voici les petits psychoportails par lesquels nous pourrons entrer dans l'esprit des gens, évidemment. Enfin, pas dans tous les esprits, hein, bien sûr, mais les esprits constituent simplement les niveaux. Et les niveaux sont à l'image de leur personne, puisque voilà. Oh. Le premier, alors, évidemment, on est chez un militaire. Le monde mental. Une salle de recrutement militaire. On dirait un cabinet de dentiste. Un cabinet de dentiste mental. C'est un bureau de recrutement, petit, et je suis là pour vous recruter pour le plus beau métier du monde. Devenir un psychonaute. Vous mènerez la guerre pour la liberté mentale. Êtes-vous prêt à affronter la torture, la folie et la mort? Parce que c'est votre dernière chance de dire non. Oh, moi, monsieur, je crois que je vais dire non, monsieur. Trop tard, in your face. Mais vous disiez... Il n'y a qu'un moyen de partir. Combattre.
Je veux que l'un d'entre vous m'envoie un coup de poing dans les dents. C'est pas compliqué, hein. On commence et on s'approche de la tronche du coach en appuyant sur attaquer, donc chez moi c'est X et BOUM! Le niveau! Ah, voilà de quoi je voulais pas. Et là, pouf! Il vient de se faire vaporiser! Ça commence bien! C'est quoi ce parcours du combattant? Mais il vient de se faire tuer! Un parcours du combattant mental, cœur d'artichaut! Il n'est pas mort, sa projection astrale a été éjectée de ma tête! Tout simplement. Et je vais aussi virer ta projection astrale si tu ne te décides pas à te battre tout de suite! Allez, c'est parti, donc premier parcours du combattant, donc évidemment ce sont des tutoriels de base, donc sauter, double saut, taper, vraiment les choses de base pour bien comprendre ce jeu. Et premier élément, voici donc les bribes, qui font office de points d'expérience disséminés tout autour du niveau. Voilà, on peut les récupérer, et chacune des bribes a une valeur en points, donc par exemple celle-ci, voilà, valait 3 points. Il faut 100 points pour passer d'un niveau à un autre, et en fonction des bribes, et en fonction de la valeur des bribes, il vous en faudra plus ou moins. Alors on va avoir un deuxième élément qui est un magnifique jeu de mots, vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, l'expression bagage émotionnel, excusez-moi, l'expression bagage émotionnel a été prise au premier sens, et donc il faut trouver des valises, des balles, des cartons, ce genre de choses. Là par exemple, une équipe de Malcabine qui nous attend juste ici, donc hop, on la récupère. La voilà. Maintenant, ramasse cette étiquette et va la mettre sur le sac que tu viens de chef trouver. Oui, chef. Sauf si tu préfères laisser tomber, me faire on récupère les petites bribes, donc vous voyez qu'ils rapportent un point chacune, et on arrive devant. Alors vous pouvez simplement passer devant, appuyer sur utiliser, vous allez voir cette petite cinématique très niaise qui montre que le bagage émotionnel a été trié. Et en fait, vous en avez 5 par niveau. Et dès que vous avez les 5, vous gagnez un niveau et vous débloquez des souvenirs importants qu'on devrait avoir dans cet épisode. Allez. Donc, pour l'instant, c'est un niveau très linéaire, on grimpe, on suit, on récupère des bribes. Et vous voyez qu'il y a ce crétin de Bobby qui nous attend. Allez hop, on descend, on récupère toutes les bribes par ici, on récupère l'étiquette de la valise. Alors à noter qu'évidemment, les niveaux sont découpés en sections, et que vous pouvez trouver une étiquette de bagage émotionnel dans une section et le bagage dans une autre. C'est 5 sur toutes les sections réunies du niveau. Ouais bah tu m'excuseras chef, hein, je peux pas faire ce que... Vous m'excuserez chef, mais je peux pas aller plus vite que la musique, allez. Attention, il y a du feu. Rien à foutre. Je suis Belmondo, je mets le coup de boule. Hey, gros pédé. On peut pas franchir ça. C'est trop débile. On dirait un test. Il y a probablement une route secrète ailleurs. Hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que t'es plus fort que moi? Le nouveau? Pardon? Quoi? Je suis pas débile, c'est toi le débile. Le coach est débile, cette colo est débile. Ce truc qui vole vers toi est débile. Qu'est-ce qu'il vole vers moi? Le pied de Bobby Zilch, débile. Crétin de nouveau. Ouais. Un enfoiré, un gros connard. Merci de m'avoir sauvé. Ben, en fait... Je voulais sauver cette plante. Je n'en avais jamais vu de si saignante. Moi si. Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent. Tu fais des cauchemars? Oh, j'ai lu comment on fait pour les chasser. Tu me laisseras en voir un? Non. Donc voilà, on est renvoyé là-haut. Mais faut quand même qu'on redescende parce que sinon on ne peut pas passer. Donc allez hop. On récupère quelques petites bribounettes qui sont disséminées. Donc on a le choix de monter par l'échelle ici. Mais on va emprunter la route secrète ou le trajet classifié comme ils appellent ça. Et allez, on arrive dans cette zone là en dessous. On dirait un escargot qui remonte une pente enneigée avec le feu. Eh ben dis donc, c'est très précis comme comparaison. Bon, évidemment ce qui est bien c'est que si on tombe, bon, on peut tout simplement reprendre les plateformes. Et hop, c'est reparti. J'irais bien, c'est reparti comme en 14, mais bon.
Le problème c'est qu'au moment, c'est qu'on peut voir ça en 2014 et c'est pas vraiment ce qu'on dit dans l'expression. Bon bref, on s'en fout. Et on passe, on récupère les bribes très joyeuses, très militaires, et on se rapproche très vite du niveau 2. On retourne là-dessus. Que je m'y retrouve par ici. On va aller juste aller chercher les quelques bribes là-bas. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens? Je ne crois pas. Ah si, il faut que je descende, je pense. Alors, bribe, et boum! Level 2. On va récupérer toutes les... Oh, en fait, on va essayer d'en récupérer un maximum dès le début, comme ça, on est tranquille. Ah, merde, coupé. Bon, c'est ça qui est bien, c'est que quand on tombe dans ce premier niveau, on ne perd pas de vie. On est juste ramené à l'endroit où on a fait Nawak pour la dernière fois. Et ouh, je l'ai chopé, mais de justesse. Allez, hop, c'est parti. Est-ce qu'il y avait encore autre chose dans les environs? C'était pas une bribe ça, non. Et on a juste deux ici, donc le hachoir et les barbelés. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu, voilà. On arrive dans le journal, donc évidemment ça c'est tout ce qui est option. Voilà, là ça nous montre ce qui se passe dans la zone actuelle, donc 46 bribes, d'étoiles mentales, et bon ça, l'ennemi c'est pas le plus important. Le bagage émotionnel de tout le niveau qu'on voit en bas. Voilà, l'ensemble du jeu, donc le rang, les coffres-forts, enfin, toutes les infos importantes. Les objectifs, les souvenirs et les cinématiques, et enfin, la carte. Mais ça ne marche que lorsqu'on est hors d'un niveau. Allez, on va repasser par le trajet classifié, et on va reprendre notre route vers la suite de cette formation de base dans l'esprit du coach. Allez hop, on va passer tranquillou. Vous voyez que c'est pas bien compliqué en même temps, ça a surtout pour but de vous enseigner les bases du jeu. Alors les bases ont beau être simples, après c'est vrai qu'il va falloir les mettre à bon escient pour... enfin les utiliser à bon escient pour récupérer tout ce qu'on peut choper dans les niveaux si comme moi vous tentez de faire un 100%. Allez, et là ici il y a une petite réplique du coach que j'aime bien, je vais vous en faire profiter. Hey, tu t'appelles Bill? Non. Parce que je vais t'appeler Immobile. Ce n'est pas mon nom. T'as dit quoi? Immobile. Voilà. J'entends rien. Un jeu de mots absolument mauvais. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce jeu de mots. Bill immobile. C'est très con quand on y pense, mais... À toi de jouer, petit. Mais bon, j'ai envie de dire... ils ont voulu mettre de l'humour. De toute façon, vous verrez qu'il y a des trucs nettement plus drôles que ça. Hein. Je veux dire, niveau blague, ils ont fait... Hé, la bribe, viens par là. Viens par là, toi. Voilà. On va aller voir s'il y a quelque chose en dessous. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose, c'est surtout pour ça que j'y vais. Allez, on tape sur ces machins, voilà. Ces machins bleus, ça vous rend de la vie, donc des portions de cerveau. Et ici, nous trouvons la valise. Évidemment, une fois que vous avez le truc, vous pouvez passer avec la touche annulée. Enfin, verrouiller, non, c'est verrouiller annulé, je crois. Non, juste annulé, je crois. Bah, chez moi, c'est B. Et donc, voilà. On a trouvé la valise. Et on va donc maintenant continuer notre route là-dessus, donc sur ces trampolines. Évidemment, vous pouvez sauter nettement plus haut en remettant au centre et en appuyant et en sautant. Mais vous pouvez aussi passer par les petites trampolines annexes du côté. On va juste attendre que la bribe revienne pour la choper. Reviens là, mécréant. Voilà, parfait. Oh, mes boyaux s'armaient plus que ta gueule. Allez, maintenant, on va faire de l'escalade. Sur ce genre de mur, tu peux grimper en haut, en bas, sur le côté, comme tu veux. C'est parti. Mais grimpe dessus. Comme un macaque. Doucement, nouveau. Si tu passes, Bobby et moi on aura l'air d'idiot. Et Bobby va te... Ouais, mais Bobby, je l'emmerde. Bobby, tu m'entends? Où tu es? Dans ton cul. Ne blesse pas tout seul ici, Bobby. Attention aux mines, petit. Et voilà, on va passer dans un champ de mines. Donc on va récupérer les quelques bribes qui s'y cachent. Évidemment, si vous touchez une bribe, vous êtes renvoyé au début du champ de mine. Et normalement, vous ne perdez pas de vie, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je veux le démineur, s'il vous plaît. Je veux le démineur, merci bien. On va récupérer ça. Alors normalement, niveau bribe, j'en suis à 67 sur 73. Mais c'est parfait, je crois que j'ai tout. Allez, vous avez vu qu'il y avait un de nos petits camarades ici, donc Dogen, qu'on avait reconnu de la cinématique d'intro du jeu. Et on va voir... Il a l'air en mauvaise posture. Hey Dogen, ça va pas? J'explose à chaque fois. Suis-moi. Je vais t'aider à traverser les mines. Ok. Allez. Donc c'est parti, là, vous allez le guider à travers les mines. Rien de plus simple, il va vous suivre. Bon bah tu restes là, hein. Allez, et ensuite pour ouvrir la porte, il suffit de hisser le drapeau tout en haut, donc grimper, et vous pousserez le drapeau jusqu'au sommet de ce poteau.
Et donc nous arrivons dans une autre zone. On va récupérer les quelques bribes qui se baladent. Il en reste encore deux. On va juste les choper. Saute par cette porte et Géronimo ! Il en reste en... mais... Hé, hey, personne n'a parlé de parachute. Voilà, allez. César avait un parachute. Voilà, normalement, au niveau... voilà. Cette première partie du niveau est entièrement terminée. On n'aura pas à y revenir. Toutes les bribes et les deux... les éléments de rang émotionnel. Et hop, on va ne passer... level 3. Allez. Eh bien, je crois pour continuer, on donne un mourir. Coup dans la porte et on saute. Et nous arrivons donc dans la deuxième partie du niveau. Les tranchées. Avec un espèce de champ d'entraînement. Hey, regarde, c'est Raz. Ouais, Raz est là. Ouais, tu pourras peut-être gagner à ce jeu. On n'y arrive pas. Ouais, on est nul. Et le coach n'ouvrira la porte que quand quelqu'un aura gagné. Ouais, Raz, tape là pour commencer. Donc en gros, il va falloir relever un petit défi. Donc faut faire, voilà, faut sauter et taper pendu saut pour déclencher le truc. Voilà. Il faut marquer 20 points en une minute. Mais... voilà, il va falloir le faire avec ces deux ozos qui arrêtent pas de gueuler, qui sont contents dès que vous réussissez à marquer un point. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Si je devais répondre un ta gueule à chaque fois qu'il disait frappe, mais j'arrêterais pas, je serais encore plus vulgaire que le joueur du grenier. Non, non. Vous pouvez la fermer? Ça vous dirait pas, genre. Ah oui, évidemment, il y a des feintes. 9 et 20. Hey, bon boulot, soldat. Voilà ta récompense. Ouais. Comme ça, ils vont la fermer. Trop bien. Allez, on récupère les petites bribes et on va se lancer à l'assaut des tranchées. Beaucoup de gens. Autre élément de jeu. Ils enfouissent. Alors, on peut récupérer des souvenirs des personnes dont nous explorons l'esprit en tapant sur ces coffres-forts, comme ceci. Donc voilà, donc la fierté du coach Oleander, donc quand il était soldat, ses victoires sur le champ de bataille, voilà, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur les personnages. Et vous pouvez également donc les consulter dans la section du journal, donc dans cette section ici, la cinquième section, en faisant A sur là, vous voyez qu'on a hop, et d'autres souvenirs, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de coffres forts à récupérer. Allez, alors maintenant je vais vous introduire ces petites choses là. En fait, ces petites choses, ces options de téléportation, ce sont des checkpoints. Vous pouvez vous téléporter à divers endroits du niveau grâce à ces machins. Allez, on défend et on arrive sur le champ de bataille. Donc, en se voyant compliqué, il faut taper sur les barricades, aller d'une barricade à l'autre pour esquiver les tirs de mitrailleuse tout en récupérant un petit peu tout. Et fort heureusement, on a des barricades en béton armé qui nous permettent de progresser sans trop de problèmes. Et en plus de ça, on avait trouvé l'étiquette du carton à chapeau. Donc, le jaune, c'est le carton à chapeau. Ce qui nous fait donc 3 bagages mentaux sur 5 de trier. Évidemment, on perd quelques points de vie si on se fait toucher par la mitrailleuse. Oui, tout ça qui avait une brique par là, il me semble. Voilà, on va aller la chercher. Bon, c'est pas compliqué, il suffit vraiment de passer en zigzagant d'un coin à un autre. Et plus on sera... voilà, et quand on sera au dernier, la mitrailleuse va s'arrêter parce qu'on a tout simplement réussi à traverser la zone. Normalement, il ne manque rien par ici, c'est parfait. Donc on va aller récupérer ça. On n'a rien de l'autre côté si je ne m'abuse. On récupère l'étiquette de sac marin. On tape là-dessus. Et regardez qui va venir nous dire bonjour. Salut crétin. Ouais, super vite. Ouais, mais tu m'as pas eu, t'es un boulet. On descend là-dedans. On va récupérer les 2-3 bribes et on va de nouveau hisser le drapeau pour ouvrir la porte à cette tranchée de zone. Et regardez, on va pouvoir glisser. Ouais. Hop, on récupère un fusil d'assaut. Hop, un espèce de cochon, un truc qui fout les boules. Un truc, une grenade, un autre truc moche. Et on arrive dans cette nouvelle section, on va apprendre qu'on peut se balancer sur certains trucs. Tu peux attraper des poteaux comme ça et te balancer. Et là ça me donne envie de faire ça, ça me donne envie de faire un... Oui, je me balance. Oui, nous nous balançons, c'est un plaisir immense. On a vraiment l'air con. Hop, hop. Hop, allez, hop, hop. Vous appuyez sur utiliser pour changer de sens. Et là, nous trouvons le sac marin. 4 bagages émotionnels sur 5 triés. Hop, je récupère.
faire ça. Et là ensuite pour passer on donne un grand coup et nous arrivons à ce nouvel élément, l'étoile mentale. C'est une toile mentale. Tu pourras les récupérer avec pour l'instant, spécial quand on t'aura dit l'étoile mentale, on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas le faire avant d'être niveau fin. Alors j'avais vu une bribe qui passait dans les environs, on va l'attendre un petit peu en tant qu'à faire, et on passe niveau 4. Peux-tu revenir madame la bribe s'il te plaît? J'aimerais te choper pour t'ajouter à ma corde. Voilà, parfait. Et maintenant, il suffit de grimper d'une corde à une autre pour atteindre le sommet de cette section. Vous voyez que c'est rien de bien méchant, il suffit de... Mais le problème, c'est que des fois, quand vous arriverez sur une corde, il aura tendance à se balancer un peu tout seul et vous devrez refaire ça parce que, ben... Voilà, il y a des fois des légers problèmes au niveau des commandes, mais rien de bien... Rien de bien méchant. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose par ici ? On peut grimper là-dessus, mais ça change rien. Allez. Et hop, on passe à nouveau et nous voici dans une nouvelle section. Vous voyez qu'ils s'en sortent parfaitement bien. Hein. Ils ont un niveau absolument exceptionnel. Donc, un coffre-fort derrière la toile mentale qu'on peut pas aller chercher. Mais on va aller prendre les quelques bribes dans les environs. Et nous allons prendre les trapèzes et leur montrer comment on fait ça. Puisqu'en même temps, on vient d'un cirque, donc le trapèze, on sait comment ça fonctionne. Hop. Donc pour vous balancer, c'est pas compliqué. Vous faites avant-arrière pour gagner la vitesse de balancement, à défaut d'un meilleur mot. Le problème, c'est que le seul mot que j'avais en tête, c'était le mot anglais, le momentum. Mais bon, c'est pas exactement la même chose. Allez. Oui, pour passer en vue subjective, voilà, c'est pour nous montrer un petit peu ce qu'on a. Et on va passer sur cette structure, parce qu'en fait, le dernier bagage émotionnel nous attend par là-bas. Il suffit de passer de ce côté et hop, on doit trouver le sac à main. Voilà. Et quand on a trié tous les bagages émotionnels, on gagne un niveau. Et on débloque les souvenirs importants que l'on peut consulter donc dans cette section du journal que je vais vous montrer dès maintenant. Donc, souvenirs importants du coach Oleander. Donc voilà. Déjà, quelques dessins sur notre personnage. Donc le coach lui-même. Donc la partie du roc qui murmure où on le trouve. Vu que vous voyez que ici... C'est l'endroit où on lui a parlé. On a Bobby Zilch apparemment. On a tous les enfants de la colonie. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, ils sont tous là. Et voilà, donc les différents concept art pour la partie du niveau. Et voilà, donc c'est vraiment ce genre de choses. Ça nous permet d'en apprendre plus sur un personnage en particulier, celui dont vous explorez l'esprit actuellement. Allez, donc on va reprendre le trapèze et on va continuer. Donc en plus, la fin du niveau est proche. Pour le bribe qui passe, on la reprendra plus tard. De toute façon, on sera amené à revenir dans le niveau, ne serait-ce que pour finir l'étoile mentale. Allez, on va passer par ici. On avance. On récupère les petites bribes. Oui, je me balance. Oui, nous nous balançons. C'est un plaisir immense. On a vraiment l'air con. Vous vous répétez, chef. Allez hop, on prend de la vitesse et on arrive face à une zone que j'apprécie bien, c'est une zone de glissade. Et... Hey, petit, je crois là l'autre crétin, c'est parti. Si tu allais jusque là-bas, la ramasse, crétin, évidemment, on peut passer d'un rail à l'autre en sautant, je veux dire par exemple, hop, droite et saut, on passe sur le rail là, hop, 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 jusque ça m'éclate, allez, hop, hop, hop. Bon, à l'ennemi, voilà, on peut vraiment switcher de rail comme ça. Hop, hop, et là, hop, on repasse au milieu. Et là, ça va être une confrontation sur le rail. C'est terminé, nulard. Je crois pas. In your face, bitch. Et nous voici donc dans la troisième et dernière partie du niveau. C'est une partie extrêmement courte. Puisque nous sommes donc dans le parcours du combattant final, vous voyez qu'il n'y a que 11 bribes. On va essayer de les récupérer, histoire de gagner encore un petit peu de level. Donc. Vous allez voir que certaines bribes ici valent vachement beaucoup, comme diraient les inconnus. Il va falloir traverser ça pour aller de l'autre côté. Le vieux tunnel de trompe. Un classique toujours aussi dur. Voilà, donc il faut passer, donc on va passer les dialogues. T'arriveras jamais. Allez, on parie. Challenge accepted. Et nous venons de monter niveau 6. Désolé. Non, voilà, il va vraiment falloir faire attention aux bribes qui passent dans les environs si on veut les choper. Hop, et vous remarquez que chaque bribe qui vole, viens par là à toi, rapporte 20 points de bribes.
Il y en a. Alors en plus, quand vous arrivez de ce côté-là, vous pouvez appuyer sur la touche de saut pour voir voilà, qu'il y a 3 bribes à 20 points et que les autres sont à 5. Ça vous permet de connaître la valeur de chaque bribe et vous dire, ben tiens, il y a des trucs qui rapportent plus que les autres dans le coin. Donc là maintenant qu'on en a eu 2 sur 3 des bribes, d'ailleurs à noter, je crois que le total des points de bribes ici fait 100. Donc si vous chopez toutes les bribes d'un coup ici, vous gagnerez un level. Eh, reviens. Eh, petite bribe. Eh, madame la bribe, tu viens. Je veux te pécho. Ah, s'il te plaît, quoi. Ah, fais pas ta pute. Voilà, on les a chopés, donc maintenant, on peut terminer le parcours sans s'embêter. Donc, vous voyez que c'est pas bien compliqué. Il suffit vraiment d'aller vraiment doucement, d'assurer votre coup. Et là, vous arriverez sans problème à cette zone pour terminer le niveau normalement. Voilà. On a donc 2 zones sur 3 de complétées, donc il faudra juste terminer les tranchées, dont on fera ça dans un épisode ultérieur. On arrive ici, il n'y a personne. Donc on voit ce qu'on va faire. On va rentrer dans cette salle et regarder ce qui va se passer quand on arrivera au bout de la salle. Ne fais pas ça, petit! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es venu faire ici? J'ai cherché juste à trouver la sortie. Oh, désolé, petit. Je ne croyais pas que tu finirais si vite. Et je ne croyais même pas que tu finirais tout court. On peut dire que tu m'as étonné, tiens. Tu as mérité ça. Ton premier badge de psychonaute. Donc voilà, terminer le premier niveau nous permet d'avoir le badge formation de base. Évidemment, de quitter le niveau. Parce que nous l'avons terminé, ce qui est logique. Et on va d'ailleurs arrêter l'épisode juste après la petite cinématique de sortie de niveau. Mais je suis toujours content de voir un soldat revenir du combat en vie. Bon, si ça ne te fait rien, il faut que j'y retourne. J'ai encore des soldats là-bas. J'ai l'impression qu'il bug quand même. Il nous a ridiculisés là-bas. Et là, tu es mal. Bobby Zilch est furieux. Tu devrais faire attention. Oh, ce jeu de mots. Dis donc, chevelu. T'as envie d'un coup de peine? Hé, les durs, on se calme. Quoi? T'as peur que je t'abîme ton copain? Non. Mais je te signale que Sasha Nine est derrière toi. Tes performances, jeune cadet, sont incroyables. J'aimerais que tu viennes à mon labo pour un entraînement avancé. Ouh! Raz le Naz va suivre le cours spécial. Benny, fais-moi penser à lui filer une raclée spéciale après, d'accord? Ces tests ne sont pas officiels, alors en principe, je ne peux pas te demander de venir. Mais si jamais tu passes, ma foi, que puis-je y faire? Tu n'as qu'à apprendre ça. Rappelle-toi, ton talent te tiendra toujours à part, Rasputin. Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Hé hey, je sais même pas où est votre labo. Ça fait partie du test? Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Maintenant, j'entends des trucs. Super. Et donc voilà, c'est sur l'obtention de cet objet... pour le moins... énigmatique que nous allons donc clore ce premier épisode. Alors je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis quel qu'il soit dans les commentaires. Et en attendant la suite, eh bien on ira voir ce que Sasha nous veut, hein. Après tout, il nous a convoqués et il y a probablement une raison. Donc on découvrira quelle en est la raison au prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut !